dit dans les cieux et la terre, qu'est-ce qu'il y a? Sourate 101. Regardez, dit Dieu, qu'est-ce qu'il y a dans les cieux? Comment est-ce que tu vas regarder dans les cieux? Et en regardant comme ça, tu ne pourras pas voir grand-chose, tu verras peu de choses. Cela veut dire que l'astronomie est importante. Regardez dans les cieux et sur terre. Et même donc, Dieu dit d'examiner la terre. Regardez donc, avec quoi est-ce qu'il va regarder? Avec le télescope. Avec quoi va-t-il regarder? Avec le microscope électronique, il va donc examiner le sol. Et avec dans toutes ses couches, toutes les strates, il va les examiner, il va faire des recherches depuis la géologie et jusqu'à la paléontologie. Et donc, une communauté qui ne croit pas, donc les avertir avec des signes, donc se déverser, cela ne fera rien. Et dans le Coran, donc il est dit, donc s'ils ne croient pas de ce dont tu parles, cela donc ne Ah, mais Dieu ne dit pas donc aller leur faire du mal ou autre. D'accord, s'ils ne croient pas, ils ne croient pas. Mais également, donc, c'est une expression vis-à-vis des darwinistes matérialistes, une communauté qui ne croit pas, donc les preuves, toutes claires, et les avertissements ne permettront rien. Mais regardez, Dieu dit, regardez les cieux et la terre, et tout type de moyens. Quand on dit regardez, que feras-tu toi? Et pour mieux voir, et tu utiliseras toutes les parties de la science, ceci est l'expression du Coran. Et ensuite, nous, nos envoyés, ceux qui croient, on les sauvera ainsi, et les croyants, les sauver, c'est une vérité qui nous incombe. Le verset 103. Comment est le croyant, l'esprit des compagnons, qui se conforme tout à fait au Coran, comment est-ce qu'il s'est sauvé? Il est sauvé avec l'union islamique. Et comment est-ce que Dieu donc sauve Jésus le Messie en l'élevant au ciel? Et notre prophète, les ennemis alors qu'il avait entouré, et il le sauve, il le sauve sain et sauf. Et les disciples du Mahdi, Dieu le Très-Haut les sauve, sain et sauf. Les disciples de Jésus le Messie, Dieu les sauve et sain et sauf, les délivre. Jésus le Messie, je pense, les francs-maçons, les chevaliers du temple, il les a réunis autour de lui, il les dirige et il dirige les politiciens importants du monde, il fait un tel travail. Et conforme-toi à ce qui t'est donc révélé au Coran et jusqu'à ce que Dieu donne sa sentence patiente, c'est-à-dire jusqu'à ce que l'islam règne, jusqu'à ce que la sentence de Dieu soit manifeste dans toute la terre patiente. Et lui, c'est le meilleur de ceux qui donnent les sentences. Lui, Dieu, parmi ceux qui donnent des sentences, c'est le meilleur.